depuis Minecraft? Bah, je crois que c'est à cause de Minecraft que j'ai vraiment peur. Comment développer une phobie avec Minecraft? Ok, coucou. Yay. Oh mec. Yo. Voilà. Ça fait comme s'il y avait une nuque qui avait avec qui. Oh, déjà petit poulet là-haut. Ok, d'accord. Est-ce que c'est un poulet de KFC? Sur le... Il y en a un là-haut. 400 ping, ouais, c'est nice. Attends, j'arrive pas à savoir si j'ai les... Oh, oh les zombies sont modifiés les gars. Pudum les gars ici. Ah ouais. Ah, j'en vois une d'ici. Regardez. Ah oui. Ah ouais. Non. Voilà. Ah ouais, là-bas, putain, t'as l'œil. Hein. Eh oui. T'as l'impression qu'il y a une nuque qui a explosé, genre, tu sais, genre comme à l'ancienne et pour information, cette map... Non, en fait, c'est pas exactement la même map. Ça, c'est, en fait, c'est un peu un remake de Infinite Warfare, celle de Infinite Warfare. Mais en gros, le premier custom que j'ai fait en coopération avec Laden aussi, eh ben, on l'a fait avec Laden et c'était sur une map de Terminal, un remake. Et oui. Qui était vachement vide. Oui, ça, je crois que de toute façon, c'était le jour... Non, c'était la semaine où le mode tool était rendu public, donc... Ouais, ouais. Non, mais c'était 2-3 jours après. Genre, c'était pas un mec qui bossait dans le monde déjà depuis un peu avant, je crois. Attends, là, le corbeau, il c'est bon, non? Oh. Oh, je suis dans sa tête. Le corbeau. Ouais. Ok, il grandit, t'es le... Rentre dedans. T'as rien du tout, mais il grandit. Regarde, on voit plus ta tête, je suis sûr. T'as le hippocampe. Voilà. Non, les deux. Une tête de corbeau. Et non, est-ce qu'il paraît déjà que c'est un corbeau? Aïe. Et non. Aïe, oh, on me dit dans l'oreillette que non, tu es en fait un pigeon. Bon, mais... Et non. Un pigeon. Alors voilà. Alors, ils ont mis sprint. Okay. Ah, ok. Oh my god. Ah ouais, oh, il est mis pour tout le monde. Damn. Ouais, oh, il y a une main noire. Ah, c'est bon, on l'a fait. À l'aide. Oh. RK5. Suite. Mais. Oh, c'est quoi le bruit? C'est quoi la musique? Oh, il y en a un autre. Ah, il y en a un autre, ah ouais. What, attends, c'est quoi? C'est une sorte c'était de petite statuette de avec une gargouille. Ah, c'est une gargouille d'Harry Potter. Ah non, une gargouille, ouais. Une gargouille. Comme d'Harry Potter. Ah ouais. D'ailleurs, moi, mes gargouilles sur Clash Royale, elles sont niveau 10. Bravo, les devs. Est-ce qu'on peut monter? Moi, c'est niveau 9. Est-ce qu'on s'en va les couilles? Où c'est qui? Attends, mais on peut sortir? Non, on peut sortir. Oh putain, mec, mais il sprint déjà énervé. Non, on doit obligatoirement ouvrir. On va d'ailleurs. Oh, il va se calmer, lui. Mollet. Mais qu'est-ce qu'il fait, Zerka? Qu'est-ce qu'il fait? C'est Darké, il est en train de me faire flipper, ouais. Oh. Là, les gars, ça spawn là. À l'aide. Bon, j'ai pas d'Arké 5. LK. Oh my god. Bouge. Y a... Putain, je meurs à cause d'un mec qui m'a bloqué. L'argent! C'est moi qui l'ai pris! Ah! Botagis! Les donne. Mec! Oh, j'ai tiré. Oh putain, heureusement que je décutais les zombies. Okay. Ça c'était la manche de l'impossible. On a eu la chance. Au pire, on a attendu qui c'est qui ouvre parce que là on va pas survivre ici. Ah non, mais c'était de l'argent en moins. J'ai perdu des thunes. Vas-y, j'ouvre là. Vas-y. Oh non. Oh, une poule ah, là. Ici il y a encore un corbeau. Oh, il y a une poule là-haut ici là. Oh, j'ai pris la coude. Faudrait que. Je sais pas si. Il faut toujours emporter, je pense. Mais c'est dommage que l'on puisse pas avec le tool directement. Prendre un certain endroit de la map que l'on veut en mode solo. Et après tu le mets en mode zombie. Ouais. Parce que le mode zombie, ah oui, le mode solo, directement. C'est. Ouais, un truc, mais t'importes en 2-2 et la toute déjà dessus. Bah, c'est pour ça qu'ils l'ont fait en mode cauchemar quoi. Ouais, mais après voilà, c'est le reste de la mission alors que. Putain, ouais, c'est sûr. En map ça peut être vraiment bien parce qu'elles sont vraiment bien le mode solo. Il est vraiment dark. Ouais, j'avoue. C'est vrai que ah, faut deux. C'est abusé tous les zombies qu'il y a, ils courent hyper vite en plus. Ok, j'ai eu quick fast reload. Oh non, 3 armes, putain. J'ai failli le perdre. Ah, j'ai eu Windows Wine, sans gueule de la veine. Ils sont limités là, ah ouais. J'ai failli le perdre rapidement. Ouais, c'est, t'as raison en fait, c'est quand on achète un truc. Onjing, les gars, venez, onjing. Quoi? Ah ouais? Si. Non. Ah ouais. Je voulais la faire à la Laden un peu. Et non, à droite par contre là, y'en a un. Oh, boîte. Ok. Oh, le bruit. Il y a une gargouille là, je la fais. Okay. Venez là derrière le comptoir de McDo là. What? Ouais, t'as vu? Non, c'était quoi? C'était pas. Mec, c'est une discothèque ou quoi genre? Ouais, la musique elle part en couille. Mais. Zarka, amène-la. Je suis en train de faire tout le puits d'âme tout seul. Là. Mon dieu! Théma. C'est bon, on a fini. Ah, mais c'est bon. Ça fait on l'a one shot. Ah, mais c'est vrai, j'ai 3 armes. On a activé l'électricité déjà?
Je crois que l'électricité est activée de base, hein. Vas-y, vas-y. Ça m'étonnerait pas. Vas-y, je fais une boîte pour oh, oh, une poule. Oh, mec, le... Ah ouais, le bruit de la RK, de la boîte. Oh, il y a la Weevil. J'ai limite une... Oh, une poule. Là, il y a deux poules. Là, il y a deux poules, là où je suis, regarde. Là, et regardez, venez voir au-dessus de ma tête. Ah, il y a un corbeau, les gars, là. On n'a pas fini le corbeau, là-bas. Oh, le soleil qu'il a fait, qui passe par les fenêtres, c'est trop bon. Ouais. Il y a tellement de choses, en fait, dans la map. Ah, il y a d'autres poules, là aussi, les gars. Oh, le mec, il est sérieux, il a oublié l'arbre. Ah, oh, bah, je suis mort. Putain. Wouah, je me suis pris un bus. Oh, ils sont tous accourus vers moi. Ah oui, non, mais là, j'ai pris un bus. Ah bah, profite. Vas-y, ouais, viens, Maria, les donne. À la chasse aux poules. Mais genre, le mec, il a quand même oublié de mettre l'arbre ici. C'est très dommage, j'en pleurais. Mais c'est tellement beau en plus. Ah ouais, j'avoue, il a pas bien... J'aime bien la couleur de la map, là, ouais, style of Desert, enfin, jaune comme ça. Là. Après, c'est pas un pur remake, hein. C'est comme bah, la map qu'on avait fait sur Terminal, sur Terminal, là-bas. J'espère que l'avion, il est bien fait. L'avion du middle. Ah ça, j'en sais rien. Et ouais, j'ai l'impression quand on tire sur les zombies sur leur gilet pare-balles. Oh my god, qui c'est? Ah mais du coup j'ai perdu mon Bressy. Ouais, moi j'ai perdu, comment ça s'appelle? Moi j'ai perdu Fast. Ah, Manowar. Oh laisse. Oh non. T'abuses, j'ai plus de mun. J'ai envie de la prendre, je la prends. Quoi? Ah tu l'as pas pris? Non. Oh laisse-la moi. Ok vas-y. Merci. J'ai plus de mun. Il m'a fait peur. Oh Naï, j'ai eu 3 armes. Oh courir vite. Mec, t'es heureux d'avoir 3 armes, t'es sérieux? Bah, ouais, ça m'évite de le payer, c'est le plus cher. Hey, j'ai open. Bon, par contre, la musique elle est chiante quand t'open avec le piano là. Tout qui s'envole. Oh, le truc qui s'envole, c'est bon. Oh, BRM. Attends, je vais me refaire une boîte parce que, mis à part la coulée, j'ai aucune. Masto, il est où, les gars? Oh, il y a. Oh, il y a Pick a Punch. Masto, il était derrière le comptoir de McDo là. Ouais, McDo. Attends, ici, il y a un corbeau, cet objet. Ouais, voilà. Ah, il y a une poule aussi. Sur l'étagère dedans. Ah, bah là, on peut direct le prendre, Masto. Oh my god. Mec. C'est quoi cette horde de zombies, sérieux? On se croirait pas sur Black Ops 3. Hein. Les zombies sont modifiés, mais à la vitesse où ça va. Oui, t'as l'impression qu'ils vont vraiment vite. Voilà, calmez-vous maintenant. Genre, non, mais ça fait vraiment style à la... Je tue la poule de mon côté, là, Leden, ou pas? Je sais plus, en fait, comment ça s'appelle. Ouais, vas-y. Elle est dans le bagagiste. Les étapes, là. Ok, il y a un corbeau, vous l'avez même pas capté, je crois. Ok, je peux pas tirer dessus. Attends, ouais, non, on a pas fini, je crois. Putain, en vrai c'est chiant le slow par contre, c'est ouvert là. Chier. Ah mais moi ouais. Je me fais pas chier, t'inquiète, tous les zombies qu'il y a. Oh putain, l'avion il est énorme. T'es mal l'avion. Non il est minuscule. Ah ouais, c'est que c'est un avion bizarre. C'est un Boeing AK-47. Ah oui, AK-47, bien évidemment. 747. AK-47. 645. Ouais. C'est bon, c'est pareil. AK-47, hein, waouh. Tu sais, mec, il faut se gagner sur la blague de merde, c'est vraiment bizarre. C'était drôle, la preuve, t'as rigolé. Bon allez, ouais. Tu es zombie. Par contre, je vois pas où est la dernière poule. Parce que là, il doit en rester une, normalement. Je dirais. Ouais, j'avoue. Putain, ouah, le soleil, il me fait mal aux yeux. Je parie qu'elle est dans cette salle-là. Ah bah, elle est là. Venez voir, je pense que c'est elle, la dernière poule. Juste là, dans le petit bureau. Ah, vas-y, je la vois. Bien caché. Allez, avec vas-y. Les effets de lumière. Hein. Suspense. Yep. Ouais. Bon. Fan ou random pack up and putain, on s'attendait tellement pas à ça. A tous les coups, c'est bon. Par contre, launching. Bah, faut finir ces trucs. Pas activé. Bah, faut finir les souls. Et pour le pack up punch alors? Bah, ça va être les. Bah, en fait, là les poules, c'est pour nice. L'arme. Mais les. Bah. J'ai un camo custom. Oh, pareil. J'ai le camo de la optique. Attends, fais voir, Jack. Optique gamin. Moi, j'ai le camo multi que je mets sur mes fusils à pompe. Ah, il y a un corbeau là. Je suis en train de finir le corbeau et après il y aura une gargouille dans le hall. Fire. Hello. Ok. Bon, comme personne ne va au bout, j'y vais. Encore un atout, les gars. Oh ouais. Un... Oh, passe-passe. Oh, passe-passe. Yes. Oh, mec, tu sais que là en fait, je suis parti pour me l'acheter. Hein. C'était juste à côté en plus. Mais c'est 3000 d'économiser. Et attends, du coup. Quelle affaire. On aide le bro Leden, tu vois, car nous on est un mec comme ça. Nous on est un mec. En or, d'or et de platine. MDR. Ok, je suis en train de faire tous les trucs. Encore Fire Cell. Là, j'en ai fait 3 là depuis d'âme. Il manque lesquels? On aide aussi le bros et l'RK, tu vois. Celui, il manque une gargouille vers moi. Ah oh, putain, et on me suis invité, j'allais dire wesh. Il nous reste un aussi là dedans. Non, mais tiens, il est pas de si long. Oh! C'est moi, ouais, il y en a. Ah ouais, mais il s'est invité, putain, trop bien. Ah ouais, dedans!
Le pack à punch, bah gros c'est les corbeaux pour le pack à punch. Doris c'est les corbeaux. T'es sûr? Pour le pack à punch, bah il y en a un dans le truc du pack à punch en fait. Ah ok. Mec en vrai ça fait gay flipper les gargouilles en vrai quand tu penses quoi. Quand t'es attention, petit mec. Arrivée de zombies en approche, mettez le pop. C'est dans quel. Y'a un dessin animé de Disney. Y'a un dessin animé. Pas Mulan, avec un mec avec une bosse. Le bossu de Notre-Dame. Ok, j'ai pris le bouclier direct. Punch. Mec, j'ai. Oh. Ah, il est là le dernier. First. Mec, j'ai vu le bouclier pop, j'ai fait ok pour moi ça. Ah, c'est okay. Une machine de mort. Voilà. You may no escape, attention. Combien? De combien? Je vous spoil. Pas beaucoup. Ça va? Oh, ça va, tranquille. 3, 8, 9, 5. Ah, on va avoir le temps de parler de notre peur. Mais en vrai, quand t'es jeune, ouais, ça doit faire flipper en vrai des gargouilles. C'est quoi vos plus grandes peurs? Oh, les araignées. J'ai peur des araignées dans Minecraft. J'ai peur des araignées dans Minecraft. Vous voulez un scoop? Abel a peur des araignées dans Minecraft. Non, j'avoue que moi aussi, la toute première fois que j'ai joué à Minecraft, c'est quand il est sorti sur Xbox. Quand il est sorti sur Xbox, c'était la toute première fois. Non. Je vais déjà. Non. Quand la date de la sortie sur Xbox signe la date où j'ai après acheté un PC par la suite, je crois, etc. Et en gros, au début, genre, j'étais perdu sur Minecraft, je pigeais rien. Et je sais pas pourquoi, ma map, genre. J'avais commencé la nuit. Donc, mec, j'ai. Je sais pas pourquoi ma map s'est lancée la nuit. Et genre. Mec, genre, je me suis pris araignée, creeper, je pigeais rien ma vie, mec. Ah ouais. Je faisais que de mourir et tout. Je pigeais rien au jeu. C'était hyper compliqué, hein. Ah, moi je suis très gros arachnophobe. Et donc, mec, genre, j'avais fait ça avec mon frère, on avait rien pigé. Ouais, moi aussi je suis arachnophobe à mort. Mais avant j'avais pas ça. Avant, limite, je portais des araignées dans mes mains, tu sais. Bah, moi je crains, enfin. Mais... C'est depuis Minecraft? Bah, je crois que c'est à cause de Minecraft, hein, que j'ai vraiment peur. Comment développer une phobie avec Minecraft? Ouais, moi dans ma vie j'ai peur des creepers, hein. J'ai peur qu'il y en ait un qui arrive devant moi la nuit. J'ai peur qu'un creeper qui arrive dans ma chambre pendant que je dors. J'ai peur. Genre avant j'avais pas tant peur que ça. Mais maintenant dès que je vois une araignée dans ma chambre ou quoi, je suis obligé d'aller voir mes parents qui dorment. Putain. Mec, non, moi en vrai, genre ça va, mais à partir du moment, les faucheuses, tu vois, ça va. Genre maintenant, genre. Hop. Oh, les faucheuses! Genre les faucheuses, c'est les fines et tout. Genre, je vais chercher là. Comment on peut dire pour que ce soit un terme bof? La chlapette, non, genre peut-être ton. Bref, je vais chercher le chausson, quoi. D'accord. Je chercher la chaussure, c'est tu vois, quoi. Hop. Je lui fous un petit coup de Janowski. Hop, c'est pas son produit de ses chaussures. Mec, n'hésitez pas à me contacter. Les Wheezy. Je ne comprends pas. Bref, en gros, tu vois, je prends la chaussure, hop, je l'explose. Par contre, genre vraiment, genre j'ai regardé une vidéo, tu vois, de tarentules et tout. Ah ouais, les gens qui sont des putains de grosses araignées et tout. Je sais pas, vous avez déjà vu la ça, vidéo? Ça, je pourrais pas, mec. Oh mon dieu. Oh non, mec. Attends, un truc qui m'a choqué à vie, c'était genre, je rentrais chez moi, tu vois, et à Bordeaux, c'est comme à Paris, en gros. Imaginez-vous à Paris, genre, vous avez les portes des appartements qui donnent sur les rues, tu vois. Et genre sur le côté, ouais. À l'inter, en dessous de l'interphone, mec. Genre en dessous de l'interphone, mec. Genre mon frère, on sonne, tac. Donc on sonne. Mon frère, il était jeune, tu vois. Il avait venu d'aller chercher à l'école. Il avait genre 7-8 ans, je pense. Moi j'étais genre en 4ème à tout casser. 5ème à tout casser. Et genre là, mec, on se tourne à gauche. Donc l'interphone était à droite. Qu'est-ce qu'on voit contre tu sais, genre le rebord, pas sur le trottoir, mais genre, tu sais, t'as une petite marche et la porte elle est en renfoncement. Et donc, en gros, sur le côté du mur à gauche, qu'est-ce qu'on voit, mec? Une araignée, mec, mais je te déconne pas, les pattes elles devaient faire mon avant-bras. Genre, elles devaient partir du coup, genre, tu sais, genre, elles étaient tellement grandes. Je me suis dépêché d'ouvrir la porte, mec, on a foncé, mec. J'ai jamais autant couru, j'ai jamais autant monté les 3 étages rapidement. Genre. C'est l'araignée, elle te rattrape. Trois étages rapidement. Oh. Genre, l'araignée, mec, elle avait un tout petit corps. Tu vois, je sais même pas si j'ai halluciné, mais mon frère, tu vois, sur ça aurait été une hallucination à deux, tu vois. Genre, c'était bizarre. C'est une hallucination collective. Je suis pas allé revoir, hein. Tu vois, j'allais pas aller m'amuser à revoir. Tiens, oh, est-ce qu'elle est bien grosse? C'était rien, c'était un reflet. Oui, tu vois, c'était peut-être rien, mec, mais genre, honnêtement, putain. Mon frère, tu vois. Il m'a fait, hey, Guillaume, c'est quoi ça? J'ai fait, what? J'ai ouvert la porte, j'ai couru.
Je l'ai fait passer tout, j'ai couru. Mais c'était tellement violent. Ça me rappelle tellement un truc chez moi. Genre, chez moi, tu vois, j'allais pour partir en cours. Et je vois quand on ouvre la porte une araignée poule. Je sais pas si vous connaissez ce que c'est. Ah non, je connais pas. En gros, c'est celle qui porte ses bébés sur ses endos. Ah, ah ouais, c'est dégueulasse. Et attends, elle est énorme. Mais quand je vous dis énorme, c'est énorme. Et en gros, j'appelle ma mère et tout, je crois, je vais partir CM2 et tout. Je l'asperge. Et comme un con, je l'écrase. What the... T'as pas ta mère et tu l'asperges. Non. Et l'asperge, il l'a écrasé avec elle. Je l'écrase sa mère. Et tous les bébés, ils sont partis de partout. Hop. Et après, on les a aspergés, mais c'est pour ça que j'ai genre des araignées chez moi dans la maison encore un peu. Et. Mais ça va. Ça fait juste une dizaine d'années, hein, mais. Non, mais ça va, genre la moitié, enfin plus de la moitié sont mortes. Chez moi, des fois, je retrouve des putains de grosses araignées. Y'a pas trois armes quelque part ? Si, là où je suis. Ouais, je sais. C'est comme vous avez déjà dû voir aussi la vidéo sur Facebook là qui. Genre un mec il avait. Oui, un mec il touche. Non. Ouais, mais c'est trop gros, l'araignée sur Facebook. Je regarde pas la vidéo, hop, je fais un petit slide rapide de. C'est le mec, il avait soit une grange ou une petite maison dans son jardin. Et tu voyais en haut quand il levait la tête, genre il y avait sur le toit, sur le. Il y avait genre un million d'araignées et tout. Genre on dirait des poils noirs. Oui. Oui, voilà. Ça, mais là, c'est la phobie de tellement de personnes, ça. T'imagines que tu te retrouves là. Ça, tu vois, c'est même. Là, on peut même pas parler de phobie parce que dans ce cas-là, tout le monde a peur parce que tout le monde se fait surprendre en vrai. À part non, je pense que vraiment tout le monde. Non, mais peur, le mec il entrait. Non, le mec il entrait dans sa grange et tout comme ça. Au-dessus des. Oh. Au calme, il disait bonjour à ses araignées. Ah oui, mais tu vois, il s'y attendait, il savait qu'il avait moi, ça là. Tu vois ce que je supporte pas, c'est les serpents. Mais ça, c'est. Les serpents et les crapauds, tu vois. Mais ça, c'est. Les crapauds. Les crapauds, non, en fait, les crapauds, je trouve ça dégueulasse, c'est juste dégueulasse, genre une bégère quand je les vois. Mais sinon, les serpents, hein, je crois que c'est la seule peut-être phobie qu'il peut y avoir. Même si. Je pourrais en prendre un, tu vois, dans les mains, mais. Je sais pas, je trouve ça horrible. Moi, j'ai pas. Au cirque, vous êtes déjà allé au cirque. Ouais. Moi, je sais pas, genre, ils s'approchent des gros putains de serpents vers toi et tout. Tu dois les porter mais sur toi. What et tout. Tu vas dans quoi comme cirque, toi, mec? Mec, ils sont censés que c'est fou, Rome. Non, mais tu vois. C'est tout le monde du voyage, genre, mec. Zavata et tout, là. Producteur du cirque, c'est Sylvain Durif, mon pote. Et ils approchent des putains de gros serpents vers toi et je les portais sur mon dos et tout. Ça, ouais, j'ai. D'accord. Et j'ai bugué ça. C'est ta mère, elle te regarde en mode. Non. Ah ben, quand j'étais jeune, ne prends pas ce quand serpent. J'étais jeune, mais vraiment tout petit, genre je sais pas à quel âge tu regardes les Teletubbies. Ouais, tout le temps, 3 ans, je pense. Bah, même encore à notre âge. Quoi? Ah, pas vous? Cut! Non, mais genre à 3 ans, je pense. Ouais, 3 ans, c'est un âge. Où... Regardez les têtes, il y a 42 000, ce gros trailer d'or. Quand genre, j'avais 3 ans, mec. Oui. J'avais Gaper dans les Teletubbies de l'aspirateur. Ah oh, ouais! Incroyable! Ah oui, l'aspirateur en plus, tu vois qu'il le place à un endroit Il est tout le temps arrivé dans des endroits fourbes, ce fils de pute! Aussi, il est arrivé tout le temps dans des endroits fourbes! De quoi, Ben? Ah ouais, sur générique! Ah ouais, Ben, tu t'es fait. Tu fais que ça salive ou quoi là? Ah ouais, non! Mais personne qui croit. Personne n'avait compris en plus, c'est ça là. Tu parlais, en mode bas les couilles. Vous avez pas entendu. Kabel il s'est tout fait avec sa salle. Je fais germer les gars. Non, mourir. Bah ça va, tu te mets bien, la dernière fois t'as pété, là tu as failli mourir, bah tranquille quoi. C'est bon. T'as pas mal. Le mec il croit que la vidéo, tranquille, non mais. Abel, le moins de respect, tu vas mourir. Tu dis ciao les gars, je sais pas, dis quelque chose. Je comprends pas de les donner. Merci Jack. Trop de non-respect là. C'est bon les donnes. Ouais, non, j'ai les parties en délire de haine. C'est bon. Il a dit ce qu'il allait dire. Regardez, je tourne à 100 pis, j'en ai marre. Ouais, mais du coup, je peux rien payer moi. C'est bugué, je peux pas payer même. Vas-y. N'importe qui paye. Mais vas-y, venez tous à landing. Go. On a été ouf! Voilà. Voilà. Putain, on a fait masse de deadshots chacun d'entre nous. Hein. Ah ouais? Ah, c'est grâce à deadshots en même temps. Aiden. Je t'ai dépassé. Non, ma belle, en même temps, t'as triché. Ah, Aiden, j'ai plus de ping que toi. J'ai plus de deadshots. J'ai plus de kills. Et t'as pas plus de skills. Non, si. Bon, attends, t'es mort deux fois. Hein.